Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais. Vous faites ce que vous voulez à vos risques et périls. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Fortnite. Ce glitch va vous permettre de passer niveau 100 et palier 100 facilement sans rien faire. Le seul inconvénient de ce glitch, c'est qu'il vous faut une clé USB qui s'appelle un Chronus Max Pro. Cette petite clé USB coûte plus ou moins 50€. Si vous voulez vous en procurer une, tout est en description. Avec un code promo bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est un Chronus Max Pro? C'est tout simplement une clé USB que vous allez brancher sur votre console jusqu'à votre manette. Dans cette clé USB, vous allez pouvoir mettre 9 scripts. Alors qu'est-ce que c'est un script? C'est des lignes de code qui va permettre à la manette de jouer tout seul. Donc moi par exemple, j'ai créé un script qui va relancer les parties de Fortnite en illimité et qui va les quitter en illimité. Bien sûr, dans le script, j'ai amélioré tout ça. Il ne fait pas que quitter et relancer des parties. J'ai créé le script pour que carrément votre personnage essaye de rejoindre toujours la zone principale. Bien sûr, ça ne fonctionne pas à tous les coups parce que par exemple, si mon personnage, en reculant, tombe sur un obstacle, eh bien, il va être bloqué dans cet obstacle. Il ne va pas pouvoir détruire l'obstacle qui est derrière lui. Et si bien sûr un autre joueur vous voit, eh bien il va vous tuer tout simplement. De toute façon, vous le voyez dans la vidéo parce que j'ai enregistré une heure de gameplay avec mon Chronus Max Pro. Ce qui est bien avec ce genre d'accessoire, c'est que je peux partir, aller manger, aller me laver, aller sortir chez des potes, faire une soirée, fêter le nouvel an, faire tout ce que j'ai envie de faire, pendant que mon compte est en train de faire du level up sans que je fasse rien du tout. Donc je gagne des XP sans rien faire. Alors plus précisément, je gagne 2000 XP par heure. Donc ça, c'était en solo. Il faut savoir que vous pouvez le faire à plusieurs. Si bien sûr, vous avez 4 Chronus Max et que vous êtes à 4 à le faire, bah, vous allez tout simplement en section. Alors très important, si vous utilisez le script que je vais vous mettre en description, pour lancer le script, vous allez devoir le mettre sur la clé USB, c'est logique. Ensuite, pour lancer le script, il va falloir appuyer sur la flèche de gauche. Mais très important, si vous le faites à 4, vous devez appuyer sur la flèche de gauche en même temps pour que les scripts soient coordonnés et que ça fonctionne beaucoup mieux. Sinon, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Alors pour ceux qui n'ont pas envie d'impacter leurs statistiques, vous pouvez très bien le faire dans les modes temporaires. Parce que dans les modes temporaires, vos statistiques ne sont pas comptabilisées, juste vos expériences comptent. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai mis mon script en téléchargement en description de cette vidéo. Il faut savoir que pour la saison 7, je n'ai pas encore profité de ce glitch. Je l'ai juste lancé pour vous montrer qu'en une heure, je pouvais gagner 2000 XP. Donc la vidéo que vous voyez. Cependant, à la saison 6, j'ai vraiment utilisé ce glitch. Ce qui m'a permis d'atteindre le palier 100 et d'atteindre le niveau 80-85, un truc dans le genre. Mais avec ce script, vous allez pouvoir atteindre le niveau 100 sans rien faire. Et vous allez pouvoir atteindre votre palier 100 plus rapidement et plus facilement. Moi personnellement, je m'en fous un peu des niveaux 100 sur Fortnite. C'est surtout à propos des paliers. Parce que j'ai acheté un pass de combat à 10€. Bien sûr, je renouvelle tout le temps le pass de combat, donc je rajoute pas de l'argent dans le jeu. Mais je veux quand même débloquer pour chaque saison tout ce qu'il y a débloqué pour le pass de combat et atteindre le palier 100. Donc c'est pour ça que j'utilise ce glitch, parce que j'ai pas forcément le temps de jouer. Il faut savoir aussi que Fortnite Epic Games surveille ma chaîne YouTube et en réalité il a patché ma dernière vidéo de ce glitch en fait, où justement je vous présentais mon script. Et ben quand je lançais mon script, ça ne fonctionnait plus. Je me faisais éjecter carrément de la partie, comme si le jeu détectait que j'utilisais un script. Alors j'ai bien sûr changé mon script et maintenant ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je refais une vidéo à propos de ce sujet. Là ça fait un petit moment que j'ai pas trop fait de vagues sur Fortnite. Donc je pense qu'il me surveille peut-être plus autant qu'avant. Donc c'est possible que ça ne soit pas patché. De toute façon, on le verra bien avec le temps. Après, moi je vous présente ce que moi je fais, mais vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein, comme le petit message en prévention en début de vidéo, je ne vous force à rien et je ne vous incite en rien. Je vous présente juste ce que moi je fais. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2019. C'était Swarkulo Mike. Et ciao, peace.